Pierre Bergeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons pour le premier entretien de l'année 2017, l'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne année ainsi qu'à tous les internautes qui nous suivent. À vous aussi. Tout d'abord, nous allons commencer par l'actualité du Cercle Aristote. Alors l'actualité du Cercle Aristote, là, en ce mois de janvier, est assez chargée. Nous sortons un nouvel ouvrage de Roland Hureau, alors il s'appelle « D'une crise à l'autre ». Alors, qui est une réflexion sur l'euro, l'Allemagne, la crise financière. Alors, qui est Roland Hureau? Roland Hureau est un historien, au fonctionnaire, et historien, il est agrégé d'histoire. Il a écrit, par exemple, une très bonne histoire de la gnose et des gnostiques. Et c'est un des intellectuels organiques des mouvements gaullistes depuis plusieurs années. C'est un spécialiste de la réforme de l'État. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question de la réforme de l'État, et il a une thèse que je trouve assez audacieuse et qui est quand même très bien argumentée, qui est justement nous vivons sous l'empire de la réforme. Et c'est le fait d'avoir voulu imposer et chacun sa réforme à l'appareil d'État qui l'a complètement démoli. Et il a fait deux ouvrages là-dessus, La Grande Démolition et un qui était sous-titré, je me rappelle, comment on peut avoir une classe politique encore plus nulle, et ou aussi nulle. Et c'est vrai que c'était très charpenté d'un homme qui est pas uniquement un intellectuel de cabinet, il a été entre autres proche de Philippe Séguin, mais également élu local pendant de longues années, et qui écrit beaucoup dans Causeur, dans Atlantico, toujours des réflexions géopolitiques assez percutante et en plus assez baignée d'un certain christianisme mais intelligent. Ça nous fait, pour nous c'est un grand plaisir, un grand honneur de d'éditer cet ouvrage, qui est un ouvrage assez gros, plus de 450 pages, donc donne des points de vue et des repères assez pertinents sur les différentes crises de l'euro et de l'Europe, et sur le rôle de l'Allemagne, où il est assez tempéré par rapport à une position plus dure qui pourrait être la mienne, par exemple. Mais pour nous, c'est un grand plaisir de l'avoir. Vous allez voir la couverture en incrustation, et vous pouvez l'avoir donc sur les sites de vente en ligne ou sur le site cerclearistote.com. Nous sortons notre numéro sur De Gaulle, donc De Gaulle au XXIe siècle. Alors, il faut bien comprendre pourquoi on sort ça, pourquoi on le sort maintenant, et comment nous avons fait cet opus sur le général. Premièrement, nous n'avons qu'un seul membre du dossier qui soit français. Ça s'est dessiné comme ça, mais en même temps, nous en avons profité parce que De Gaulle est un objet d'étude international. On ne s'en rend pas compte, mais que nous avons eu des profils extrêmement variés, que ce soit l'un des grands intellectuels marxistes, britanniques d'adoption, néerlandais de naissance, jusqu'aux élèves de Léo Strauss aux États-Unis et une bonne partie de l'intelligentsia latino-américaine. De Gaulle reste un exemple. Il y aurait encore eu des tas de sujets qui auraient été possibles. Par exemple, le rôle de la pensée gaullienne dans les fondements de ce qu'on appelle l'école de la nouvelle politique économique internationale, en économie du développement, etc., etc., etc. Donc, nous avons réuni ces auteurs qui ont donner chacun un angle sur maintenant que le gaullisme politique, tel que ceux qui ont privatisé cet héritage, entre autres, c'est d'ailleurs la différence que beaucoup font entre gaulliens et gaullistes, c'est-à-dire s'attacher à l'homme et à la doctrine, ou s'attacher à l'héritage, alors que bon, moi, je suis plutôt de stricte obédience, donc... pour nous, le gaullisme politique s'arrête en 69 et a des bourgeons qui malheureusement n'écloront pas, que ce soit une partie du gaullisme social via Jean-Pierre Chevènement ou le séguinisme. Or,
C'est la différence entre gaullien et gaulliste. Et donc justement, ce numéro, c'est comment être gaullien au XXIe siècle. Qu'est-ce qui est intemporel dans la pensée de cet homme et dans l'œuvre qu'il nous a léguée, sur laquelle nous vivons d'ailleurs encore largement, plusieurs décennies après sa mort. Il y a d'autres... il y a bien, comme souvent le cas chez nous, il y a d'autres dossiers dans ce numéro, et dont un très gros article d'Eric Reinhardt, notre ami spécialiste du protectionnisme et de l'État stratège, qui fait un point sur le rôle de l'État, un point doctrinal, un article qui fait près de 100, je crois 80 pages, si mes souvenirs sont bons, et qui est vraiment un article majeur qui n'avait jamais été traduit en France. Il y a un retard énorme. Donc voilà, celui-là, vous pourrez le trouver au prix de 18 euros, parce que c'est un numéro qui fait près de 400 pages. Donc c'est un numéro double, et qui donc sur, là encore, tous les sites de vente et cercle-aristote.com. Vous pouvez également vous abonner à la revue sur le site. Autre point, nos événements. Donc bien évidemment... le cycle de conférences que vous pouvez retrouver là encore sur notre site se précise. Donc on va avoir de grands noms, je pense à Jean-François Guéraud et quelques autres. Mais surtout, nous avons en projet de faire 3 grands colloques cette année. Un, ce qui sera notre contribution à l'élection présidentielle. J'y reviendrai le mois prochain. Un autre qui portera certainement sur le christianisme, l'identité, la souveraineté, parce qu'il y a de toute évidence, et la fameuse querelle cause a trahi une division profonde des milieux catholiques, et surtout bien au-delà, parce que d'un certain côté ça les regarde, de l'impact d'une certaine pensée chrétienne. Enfin, de plusieurs types de pensées chrétiennes sur la France, que ce soit dans l'incapacité à penser la souveraineté, que ce soit dans les restes empoisonnés des fleurs fanées du christianisme de gauche, et il y a aujourd'hui une sorte de, disons, d'animosité de plus en plus ouverte de plusieurs milieux catholiques. Mais qui reste dans l'impolitique. Quand on vous parle des cathos identitaires, quel rapport ont-ils avec la doctrine ? Est-ce qu'ils demandent plus de marqueurs chrétiens, ou ils demandent plus de marqueurs français à travers le christianisme ? C'est la question. Est-ce que c'est un christianisme d'affirmation ou un christianisme de défense? Un christianisme de recréation ou un christianisme de mimétisme par rapport à la foi supposée débordante de la communauté musulmane? Là encore, il faudrait quand même avoir une vision sociologique un peu équilibrée. Je ne suis pas totalement certain que ceux qui sont rattachés culturellement au culte musulman soit dans une connaissance et une observation des rites aussi prégnante que ça. Donc, s'attaquer aux cathos identitaires comme le font les bons cathos bien pensants qui font du credo par les droits de l'homme et qui sont dans le visage de l'autre, c'est-à-dire dans du Lévinas délavé, comme ne l'est pas le pape François, mais comme le sont les séides du pape François en France. Parce que le pape François, lui, ne peut qu'être dans l'accueil de l'autre. Il est chef d'État et chef d'Église. Il parle à 1 milliard de gens. Or, l'avenir du christianisme, il est où? Il est dans les pays d'envoi d'immigration. Hein, il n'est pas dans nos messes bourgeoises ou dans nos dimanches matins. Ou dans nos dimanches matins où nous n'avons même plus le plaisir, comme disait le général de Gaulle, de voir les enfants de cœur renverser les burettes. Mais les séides du pape François en France, tout ce qui reste du christianisme de gauche, Golias, tous ces trucs-là, oui, eux,
ils sont dans le visage de l'autre, comme le, eh ben, il fait, eh ben, le brave père Hamel aussi était dans le visage de l'autre. Ben, il l'a vu d'un dernier coup, le visage de l'autre. Mais bon, maintenant, comme on va même vers le hammonisme, là, on a même le candidat de l'autre. Mais le, hein, vous remarquerez que j'essaye de ne pas faire le jeu d'eux, mais avec difficulté. Le grand problème, c'est que de l'autre côté, qui répond à cette attaque-là, qui est beaucoup plus vicieuse qu'une simple attaque intercato dans un groupe politique, enfin dans un groupe sociologique, pardon. Des gens qui n'ont que le mot identité à la bouche, qui s'accrochent à des symboles et qui, en réalité, sont des gauchistes. Ils s'en rendent pas compte. Des gauchistes dans un certain sens, c'est-à-dire que le gauchisme, par rapport au socialisme, a une grande surinvesti le symbolique. Comme le dit très souvent mon si génial ami Laurent Hellinger, marchons contre le racisme. En quoi le fait de marcher va combattre le racisme? Rien. Rien. Juste, comme on peut rien dans le réel, on surinvestit le symbolique. Donc, marchons pour l'identité. Puis c'est bien, ça a fermé les mollets. Mais mis à part ça, non mais, on dit, même quelqu'un que j'aime beaucoup comme l'abbé Tanoir le dit, l'identité, on y tient. Oui, on y tient, mais on la manifeste comment? On l'incarne comment? On l'incarne politiquement, ou on l'incarne pas. Bon, à un moment, il faut arrêter le kantisme pour petit, il faut arrêter le couteau sans lame dont il manque le manche. Et une partie de l'identitarisme catho et dans ces apories-là, c'est-à-dire, bon, on va prendre des marqueurs, on fait l'IVG, on fait machin, etc., oui. Et là, ils en sont, j'ai vu un article sur Boulevard Voltaire, ils en sont à... vous vous rendez compte, la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme a changé d'avis sur la GPA. C'est génial, hein. Vive la CEDH. Donc le fait d'être dans l'arbitraire, dans la main de la CEDH, te gêne pas. Et quand le vent tournera et que les juges de la CEDH auront bien soupé, qu'ils seront ballonnés, qu'ils vont inverser leur jugement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, allez, salauds. À un moment, un combat politique prend une forme politique, ou alors reste et maintient malheureusement une part de notre population dans un impolitisme qui n'est que les deniers de la domination. Parce que quand vous êtes dominé, vous êtes dans l'impolitique. C'est-à-dire que vous êtes dans l'infra-politique. À vous engueuler sur des choses qui n'ont pas de sens parce que vous n'avez pas le pouvoir, et parce que vous n'avez pas de plan pour le prendre, et parce que vous ne sauriez pas l'assumer. Donc vous êtes des losers. Et c'est pour tirer les leçons et pour voir comment est-ce que la pensée catholique en France peut se débloquer. Parce que malheureusement, une part du malaise identitaire des Français est liée au malaise identitaire des catholiques comme groupe culturel témoin d'une des grandes traditions de la nation. Parce que les Français le veuillent ou pas, ils ont encore tout un habitus catholique, même si ils sont loin de l'Église et loin de la foi. Et dans une part de ce malaise par rapport à la verticalité, il y a une part du malaise français. Et nous ferons notre colloque annuel sur justement la saturation idéologique, c'est-à-dire la France contre les robots 2.0, c'est-à-dire la France face aux idéologies à la mode, transhumanisme, robotique californienne, etc., etc. C'est-à-dire comment Gramsci disait qu'entre un monde qui meurt et un monde qui n'arrive pas à naître, entre les deux naissent les monstres. Aujourd'hui, on est face aux monstres, et pas uniquement à Macron, mais à d'autres types de monstres, moins rigolo, mais peut-être plus dangereux. Et donc on va étudier ça, mais ça, ce sera au mois de juin, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Les autres actualités du cercle Aristote, c'est à la fois le changement léger de format de notre entretien. On va essayer de faire un tout petit peu plus court en prenant moins de questions,
plus de dossiers, de temps en temps, selon notre bon vouloir. Parce que l'arbitraire, c'est aussi une qualité, contrairement à ce qu'on croit. Hein, c'est l'huile dans les rouages de l'État. Un invité de temps en temps. Et sinon, de toute façon, beaucoup de dossiers seront traités à travers Dissonance. Là, on va pouvoir commencer la diffusion. Et également, pour ce qui est de nos activités annexes, nous allons essayer de renforcer cette année les cercles de province et peut-être de faire une université d'été si le projet rencontre l'engouement de notre public. Pourquoi faire une université d'été? Parce que de toute évidence, le camp national risque de perdre l'élection de 2017. Et à un moment, il va peut-être falloir reposer, il va peut-être falloir tenter de se mettre autour d'une table et de se parler. Parce qu'on ne peut pas éternellement jouer à « ralliez-vous à mon panache blanc » avec la défaite à la clé, la mort de la France à la serrure. Mais là, s'il y a une volonté du public, nous le ferons. Parce que c'est beaucoup de travail pour les miens, et je ne veux pas qu'ils gaspillent de leur temps, ils travaillent déjà suffisamment. Nous allons donc passer maintenant à la politique intérieure. Mmh. Avec tout d'abord un dossier sur la primaire de gauche, donc la primaire du Parti Socialiste. Oh, super. Qui a vu la victoire de Benoît Hamon face à Manuel. Bilal a gagné. Ah, c'est cool. Donc, c'est cool. Alors, la primaire de gauche, hein, vole au-dessus d'un nid de cocu. Alors, la belle alliance. Vous savez ce que c'était? Et la belle alliance, c'était le nom des armées coalisées contre nos Waterloo. Ils sont cons, mais mon Dieu. Non, mais faut vraiment... Repassons par le premier tour pour rigoler un peu. Alors, il y avait Tonton Gênant, Madame Yass. Donc, c'est fétide, quoi. Le mec qu'on n'attend pas, et quand il est là, on aimerait qu'il la ferme, mais il la ferme pas. Alors, il y a Tonton Gênant. Alors, bon, il y avait les deux autres qui, de toute façon, n'existaient pas de toute manière. On va aller sur le quator de tête. Et en réalité, ce que vous devez bien avoir à l'esprit, c'est que Koskas, Cambadélis, avait en liquidant Philoche, parce que Philoche pèse moins dans le PS que Benamias. Vous allez faire fort croire ça à qui? Alors, Philoche est un trotskard, c'est le dernier doctrinaire du PS, si vous voulez. Mais, en réalité, l'élimination de Philoche, c'était un message adressé à Montebourg. Pas de campagne à la gauche de la gauche. Pas de campagne souverainiste. Sinon, tu finis comme le gros. Et il est vrai que l'honnêteté de Koskas est quand même connue de tous. Et comme pourrir la vie des gens, c'est peut-être la seule chose que Cambadélis sache réellement faire, faut se méfier. Cambadélis, dont le but était de faire gagner Valls, mais a priori, voilà. Quand vous voulez faire une élection corse, c'est prenez une urne, vous mettez des bulletins dedans, vous balancez l'urne à la mer, et le premier bulletin revenant est gagné. Hein, on est d'accord? Là, il faut un professionnel. Fallait demander à Julien Drey. Personne n'a demandé à Juju. Résultat, on fait les décomptes de voix 3 heures avant, etc. C'est pas du boulot. Hein, sous Juju, comme disait Charles Pasqua, des élections internes d'un parti, si on n'a pas les résultats 2 mois à l'avance, ça sert à rien. Juju, c'était carré, hein, comme les finances d'SOS Racisme. Je dis ça, je dis rien. Comme dirait le juge Van Rimbeck, circuler, il n'y a que moi qui regarde. Mais on n'a pas fait appel à un professionnel, Mouise du PS. Maintenant, voyons le quator de tête. Je vais garder Payon pour la fin parce que j'ai un compte personnel à régler. C'est par le reste, donc Manolo, Premier ministre sortant, lui, il a été face à la haine, qui a été d'ailleurs un des thèmes du valsisme, hein, d'ailleurs peut-être le seul d'ailleurs, avec certaines réécritures personnelles d'ailleurs. Hein, parce que bon, enfin bon, je dis ça, je dis rien. Hein, mais on m'a dit qu'il n'a pas haï à la même époque les mêmes personnes, enfin bon, je dis ça, mais bon, faut pas manquer de respect, hein, un fils de réfugié antifranquiste.
Ah, même ça, il y a des doutes. Mais la... en réalité, lui, il a été en face tout simplement de la base du PS qui ne peut plus l'encadrer. Donc, et également de la. De... Parce que Cambadélis a fait tout ce qu'il a pu, là, pour le coup. Le problème, c'est que. On fait pas courir le Grand Prix d'Amérique à un cheval borgne. Il pouvait pas faire beaucoup plus. Déjà, il l'a mené jusqu'au deuxième tour, ce qui était déjà pas si mal. Puis surtout, la ligne de Valls. Faut que vous compreniez que les quatre de la primaire de gauche, c'est tout simplement quatre visages de Terra Nova. Le PS n'en est jamais sorti. Valls, c'est quel visage de Terra Nova? C'est le visage social-démocrate économique strict. Okay. D'ailleurs, il le dit lui-même. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Hein, les inégalités de quoi, évidemment? Sur les jeunes, les femmes, etc. C'est-à-dire sur les publics périphériques. Bon. La ligne Terra Nova, je rappelle que la ligne Terra Nova, avant de s'appeler ligne Terra Nova, c'était la ligne Boniface. Hein, parce qu'on oublie toujours la responsabilité de Pépère, qui a été jeté du PS parce qu'à force de dire qu'il fallait cirer les babouches, Strauss-Kahn a fini par en avoir marre. C'est pas tout à fait ce que je mettrais au débit de Dominique Strauss-Kahn d'ailleurs, pour une fois, même si du débit, Dominique en a eu beaucoup. D'ailleurs, il paraît que des restes de débit sont encore incrustés dans la moquette au Sofitel, mais le... C'était avant la ligne Boniface. Le même Boniface qui s'enorgueillit déjà de la fin de la Nouvelle-Calédonie française dans le dernier truc de l'Iris. Comme quoi, il y a des gens qui ne resteront toute leur vie ce qu'ils sont. Hein. Donc, il faut quand même rappeler ça. Le problème, c'est que Valls a saupoudré cette ligne social-démocrate Terra Nova 83 en bon rocardien. Hein. Parce que lui, avant tout, c'est un rocardien. Il l'a saupoudré avec... une sorte de clémencisme de demi-molle, hein, c'est-à-dire grosso modo une sorte de troisième république pour à ras du sol, qui ne pouvait pas marcher pour une raison, c'est que, un, déjà il n'a rien compris, comme Régis Debray l'avait magnifiquement démontré dans le petit ouvrage « L'erreur de calcul », il n'a rien compris à Clémenceau, il n'a rien compris à la troisième république, et puis surtout ce perpétuel jeu bipolaire de Manuel Valls fait qu'en dehors du corps des médecins psychiatres lacaniens, il y a peu de gens qui ont voté pour lui en total accord, parce que c'est vrai que pour la psychiatrie, Manolo, ça pourrait être quelque chose. Mais donc lui, il était parti perdant. Alors vous me direz pourquoi y aller, outre que chez ces gens-là on ne renonce pas, pour une raison. On est bien d'accord que le PS veut sauver les meubles. Vous pensez pas une minute qu'aucun des mecs de la primaire de gauche pensait l'emporter. On va venir sur le pourquoi, sur Macron, justement, après. Mais le but, c'est simple. Macron n'a pas d'appareil. Le PS est le maximum de score. Donc la cible, là, pour le PS, c'est Mélenchon, maintenant. D'où Hamon. Vous comprenez la logique. Plus le PS sera haut, plus il pourra négocier avec Macron, parce que Macron n'a pas d'appareil. Et les vieux chevaux vont aller se recaser dans ce Le Canuet rajeuni et édenté comme son modèle, en marche. Eh oui, tous derrière Krilin. Nous reviendrons sur le pourquoi Krilin après. Et la... Vous voyez, et ça, Hamon fait le même. Valls faisait ce calcul, tout le monde faisait ce calcul. Ils veulent juste se recaser. Ils savent déjà que la place de PM, si Macron est élu, Ségolène est en pole position. Mais on va venir sur le cas Macron tout de suite après. Donc déjà, Valls. Montebourg. Beau brin de voix. Belle crinière. Néanmoins, cheval de retour. Comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, monsieur Montebourg... à des sincérités réelles pour des causes successives. Et une fois que la cause est finie, c'est plié. Il s'en rappelle plus. Là, il n'avait pas de cause à défendre, mis à part lui-même, ce qui a d'ailleurs été peut-être la seule cause à laquelle il fut constant. Mais comme la cause recouvre quand même pas grand-chose,
Beaucoup pensent que Montebourg, c'est la fin totale de la gauche ouvriérisme et post-chevènementisme. Alors déjà, je vous dis tout de suite, c'est une niette. C'est Montebourg qui a fait venir le système des primaires au PS. C'est Montebourg qui a été le premier élève de Terra Nova. Pourquoi? Et là, je reconnais, même moi, même mes camarades, mes amis des milieux protectionnistes, nous l'avons aidé, Montebourg, il y a quelques années. Nous l'avons fait exprès, en sachant, en connaissant son insincérité. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il arrivait, lui, en disant protectionnisme, il dédiabolisait le mot. Nous l'avons utilisé pour ça. Maintenant, nous n'en avons plus besoin, vu que de toute façon, il croit en rien. Mis à part en lui-même, ce qui est bien peu de choses. Or, et en plus, Montebourg a été... Il a été plus creux que ce qu'il est d'habitude, ce qui est déjà quand même force respect pendant cette campagne. Il y est allé, je pense que lui, il y est allé pour juste pour négocier déjà un ralliement ministériel en cas de problème, ou du moins une place bien assise au PS, dans ce qui deviendra le PS. Dans ce que deviendra le PS, pardonnez-moi. Payons. Là, je vais me faire plaisir. Payons. Cet homme qui a eu des phrases immortelles. Alors lui, beaucoup disent c'était l'homme des loges. Je pense que c'est surtout l'homme des cellules capitonnées. Franchement. Entre nous soit dit. Est-ce que la maçonnerie française a fait de deux ou trois mecs un peu dingos, mais à ce niveau-là, non. Parce que bon, la lumière venant de l'islam, faut quand même... Bon, certes, il y a Bilal à côté, donc faut... Là, on est dans le duel, mais en réalité, payons, si on regarde bien. Il a accumulé les phrases les plus neuneux. Par exemple, nous avons appris que les morts de la Seconde Guerre mondiale étaient morts de la germanophobie. Il est vrai que quand on regarde Auschwitz et Treblinka, tous ces pauvres gens morts par la haine de l'Allemagne. En effet, ils sont morts de la haine de l'Allemagne. De la haine que l'Allemagne avait pour eux. Mais... En réalité, Payon, c'est quoi? C'est le parfait eurocrate. Et lui, ce qu'il aime, c'est être député à vie au Parlement européen. Pas beaucoup de boulot, beaucoup d'émoluments, pas d'impôts, et loin des yeux. Ça aide à se faire des amis qui ont des amis. Je dis ça, je dis rien. Hein. On constate. Et donc, il en a rajouté dans le Radio Paris, vous voyez où ça mène la germanophobie. C'est là où on voit comment la gauche française a pu fournir les grands bataillons de la collaboration. Certes, à un niveau plus élevé. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut de, on peut dire ce qu'on veut de Marcel Déat, mais intellectuellement, il valait peut-être mieux que ça. En tout cas, valoir moins est complexe. Et surtout, on voit quoi? C'est que Payon a été le premier à démasquer sa germanolâtrie. Mais il n'a pas été le seul. Macron, Fillon qui allait prendre ses ordres à Berlin, navré d'avoir eu raison. C'est bon. Maintenant, je pense que beaucoup de gens qui me disent que l'Allemagne est innocente, oui, éternellement innocente. Et là, pour le coup, si même Sélaquet l'avoue, ça commence à faire beaucoup. Mais vous me direz, pourquoi accumuler les conneries? Il était sûr de perdre. Et s'il veut rester parlementaire européen, en réalité, Payon est le jouet d'Hollande. Payon était là pour jouer le laïcard. Disons le laïcard de loge. Certes, multiculti, on est toujours dans le monde de Terra Nova. Mais plus social-démocrate, plus eurocrate, plus par rapport à Valls, et pour affaiblir Valls. C'est la seule explication logique. Et c'est pour ça d'ailleurs, en termes de score, en termes de score, ça s'explique. Sinon Valls serait arrivé quand même dans des tours où il aurait pu vaincre Hamon, alors que là il a 8 points dans la vue. Et il nous reste Bilal, pure créature aubryiste.
C'est la revanche de Martine Aubry. Donc, c'est la reprise en main contre les Rocardiens des Deloriens de stricte observance. Donc, ça veut dire que le PS, alors que la France est à ça du chaos, que le PS reste entièrement dans ses histoires vieilles de 30 ans. Ce n'est que le bis repetita placent de Rocard liquidé par Mitterrand. Vous voyez, hein, tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et en réalité, Aubry reprend la main par sa créature, qui a fait un léger passage par Chevènement, pur apparatchik PS, hein, pur apparatchik PS, jamais bossé de sa vie, d'où son idée du revenu universel, et puis évidemment, revenu universel, légalisons les joints, ça évitera aux verts de faire du trafic, hein, vous vous rappelez de cet élu vert de Paris qui blanchissait l'argent du H, alors autant légaliser le H. Et puis d'un côté, quand on a fait que du politique toute sa vie, ben on peut croire au revenu universel. Donc, vous me direz, mais enfin, c'est le programme le plus démago qu'ils aient fait, et le pire, en plus, de jouer la carte communautaire à mort, parce qu'il faut voir ce qui est venu des banlieues. Enfin, président non islamophobe, une mosquée achetée, une mosquée offerte, enfin bon, Bon. Tout simplement parce que le plan, c'est pas du tout qu'il soit crédible. Le plan, c'est que la partie la plus débile du front de gauche, les punks à chiens et leurs animaux, se raccrochent à Bilal. Mélenchon est définitivement out. Le PS sera lié à Macron. Macron élu, terminé. Et à travers ça, c'est la vengeance de Hollande, parce que c'est vrai que le gros, il a été, mais de A à Z, mauvais en tout. En tout. Bon, certes, pas de son point de vue à lui, parce que là, il tire très au-dessus de ses moyens. Donc, à la base, il est dans le rattrapage. Hein. C'est un recalé du tringlage, hein, comme dirait l'autre. Hein. Bon. Donc, là, il tire très au-dessus de ses moyens, il est content. La seule chose, c'est que, rappelez-vous, dès le début des entretiens, il y a maintenant, on ne rappelle même plus, peu importe. J'ai toujours dit que Hollande avait une intelligence manœuvrière, ça on peut me l'accorder. Et là, vous en avez la preuve. Tout simplement parce que toute l'équipe d'énarques autour de Macron, c'est les hollandistes. C'est sa créature. Il va mener sa vengeance jusqu'au bout. Enfin, si vous voulez. Et le pire, c'est que, vous savez, une civilisation, ça doit créer de belles ruines. Or là, comment on va appeler ça? La vengeance de Fraise des Bois. Eh oui, vous vous rendez compte ce que c'est pendant des années, quand il était premier secrétaire PS, de se faire appeler Monsieur Petite Blague. Quand Jack Lang a créé ce surnom de Fraise des Bois, tout le PS l'a repris. Quand vous prenez des leçons, même de diététique, de la part de Martine Aubry, vous pouvez vous sentir humilié. Et pourtant, si vous voulez parler, Hollande, c'est l'homme du ressentiment. Et son ressentiment l'a mené jusqu'ici. Et à une vengeance implacable contre le PS. Et ça, ça force un certain respect. Enfin, nous l'avons sous-estimé. Et d'un côté, il nous donne son enfant le pire. Parce que lui, c'est vraiment l'ombre du vide qu'est Macron. Parce qu'en réalité, le but, c'est ça. C'est que Macron... Et d'ailleurs, c'était très bien de mettre la primaire pendant tout le mois de janvier. Parce que comme ça, Macron peut avoir encore un mois à ne pas donner ni idée ni programme, parce qu'il n'a ni idée ni programme. Je rappelle quand même que c'est l'homme qui a voulu faire des grandes lignes de bus en France, pays qui n'a pas de gare routière, mais les meilleurs trains du monde. Preuve qu'il n'a pas tout compris au film. Mais là, quel est l'argument de Macron? J'ai une belle gueule. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis pour rien dans vos ennuis, je viens d'arriver. Ça, c'est un argument qui peut encore tenir un mois, mais après, il y a mars et avril. Il va falloir meubler, hein.
Mais l'avantage, c'est que la primaire lui a fait gagner un mois. Il n'a toujours pas à s'expliquer parce que le coup, t'as vu ma tronche à la télé, bon certes, avec les éponges qui adhèrent, vu que vous avez vu qu'il a du monde dans ses meetings, Krilin. D'où justement Krilin. Pourquoi? Parce que Krilin, c'est le seul qui n'est pas crédible avec Yamcha dans Dragon Ball Z. Et c'est le seul qui hurle pour se concentrer, mais il n'y a pas d'énergie derrière parce qu'il n'y a pas de fond. C'est pas un Saiyan, etc. Mais, sur un coup d'opportunité, c'est Krilin qui gagne, parce que c'est lui qui repart avec la plus jolie. Et lui, il n'a pas fait la sortie des hospices, contrairement à Macron. Quoique Macron ferait aussi la sortie de l'ENA, d'après ce que je sais, mais bon, peu importe. Vous voulez, c'est... Ça s'est très bien vu lors du meeting, d'où Krilin. Il hurle, pourquoi? Parce que les tonneaux vides font beaucoup de bruit, c'est bien connu. Vive la République! Vive la France! Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a rien à dire. Et le fait d'être totalement vide lui donne une chance, c'est qu'une partie de l'électorat qui avance se dispatchait entre le Front National et le Front de Gauche, qui est l'électorat contestataire strict. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on ne veut plus du système. Il en récupère une partie. Et plus il restera dans le flou, plus il gagne. Il aura à la fois la haine de classe de la gauche qui va se raccrocher à lui comme à une bouée de sauvetage, l'électorat du Marais lamentable qui était l'ancien électorat de M. Bayrou, qui nous a fait le cadeau de se débarrasser de sa présence, c'est bien la première fois qu'il aura fait un cadeau à la France, plus cet électorat contestataire, d'où le fait que Macron fait de meilleurs scores face à Marine Le Pen, dans un deuxième tour hypothétique, pour l'instant, dans toutes les études d'opinion. Alors que le Steve McQueen du Mans, oncle fétide à gros sourcils, lui au moins on est sûr qu'on reste dans le système. Châtelaine arrête de pleurer Pénélope. Donc, pas de nouveauté. D'ailleurs, pour un mec qui est quand même plus qu'un vieux cheval. Il était ministre sous Balladur, hein. Je veux pas être méchant, mais bon. Le grand problème de Fillon, c'est que c'est un butoir de porte discret, mais néanmoins présent. Les portes de la République butent sur lui depuis qu'il a 20 ans. Ça ne date pas d'hier. Hein. Donc, voilà le bilan de la primaire de gauche. C'est que le dispositif d'Hollande est en place. Et comme c'est pas de l'autocitation, c'est que malheureusement sur ce point-là, pas sur d'autres, mais sur ce point-là, j'ai peut-être eu raison, il est resté premier secrétaire du Parti Socialiste toute sa vie. Il n'en est jamais sorti. Et là, il vient de nous faire un grand jeu de premier secrétaire du PS. La France aura rien été pour ce type. Il est d'une malfaisance dégoulinante. Mais il n'aura été que François Hollande. C'est-à-dire, il aura été, comme disait Charles Pasqua, il aura dû être l'adjoint aux festivités de la mairie de Tulle. Maintenant que ça c'est dit, il n'y a plus rien à dire sur François Hollande. Charlie avait raison. Il a été rien. Et là, ils nous ont fait un grand jeu pour que le système de domination, en réalité, est en train de faire sa mue devant nous, tout simplement comme un serpent. Et grâce à la primaire, ils ont évacué toutes les vieilles peaux, comme les serpents, du PS. Voilà. Passons maintenant à droite, avec François Fillon, qui a actuellement quelques difficultés, parce que, visiblement, il y a des révélations du canard enchaîné concernant sa relation avec sa femme comme assistant parlementaire. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Et puis, éventuellement, s'il y avait une question... Alors... Ouais. Si éventuellement il fallait aussi interdire auprès des membres de la famille. Alors, il faut savoir une chose. Ce qu'a fait François. Le gros problème, c'est d'en venir à la loi. Parce que, en réalité, ce qui manque, c'est ce que la théorie républicaine, et c'est entre autres Montesquieu qui en parle des vertus. C'est ça qui manque.
c'est la morale publique qui manque. On ne peut pas tout mettre dans la loi. Un État libre, ça a peu de lois. Parce que les Grecs nous l'ont appris, la loi, c'est dans le cœur des hommes qu'elle est. Vous pouvez faire toutes les constitutions que vous voulez, toutes les lois que vous voulez, un pourri reste un pourri. Je ne dis pas ça pour nécessairement pour Fillon, je dis ça en général. Donc, a priori, elle a été son attachée parlementaire, si elle a travaillé, c'est légal. Si elle n'a pas travaillé, c'est illégal, ça, c'est au juge d'en décider. Un. Deux, il aurait eu les fameux transferts de fonds du Sénat, qui est une sorte de, vous savez, de plaie purulente que le Sénat essaye depuis maintenant près d'un an de repousser, avec entre autres le livre de Stefanovic, qui est publié aux éditions du Rocher, que Larcher a attaqué. C'est-à-dire qu'il était... En tout cas, Larcher a dit que les services juridiques du Sénat envoyaient les éditions du Rocher en diffamation. Et en réalité, cette affaire, entre autres, les étrennes à 8 000 euros par chaque année, etc., est une sorte de plaie purulente qui est en train de s'infecter. Et comme elle n'a pas été traitée, elle dégénère. Une gangrène. Je me suis déjà exprimé sur la réforme nécessaire du Sénat, donc ça, c'est pas... On va pas y revenir maintenant. Par contre, je pense que nous, patriotes, nous devons être assez prudents du piège grossier qui nous est tendu. Je pense que j'ai déjà tellement cartonné François Fillon qu'on va certainement pas prendre ça pour un compliment. Mais en réalité... L'homme qui est derrière les persécutions, peut-être méritées d'ailleurs, de François Fillon, c'est M. Jean-Pierre Jouyet. Très clairement. L'âme damnée de François Hollande. Il faut que vous compreniez pourquoi. Parce que on fait baisser Fillon, Macron Le Pen, Macron l'emporte. Basta. Et Macron, je pense, l'emportera pour une raison. Beaucoup disent, oui, mais si c'est Macron-Le Pen, là, on est dans deux projets de société tellement différents que l'électorat de droite devra choisir. Oui, il choisira Macron. Il choisira Macron. Même avec deux fois plus d'immigrés à la serrure. Un problème. Vous n'avez toujours pas compris ce que Christophe Gulli essaye de vous apprendre. Aujourd'hui, la vraie fracture sociologique au sein de la population française, c'est entre ceux qui peuvent se protéger des autres, et ceux qui ne peuvent pas. L'électorat de Fillon, comme je l'ai clairement démontré lors de la primaire de droite, c'est l'électorat bourgeois. Vaguement catho, mais eux n'étaient vraiment pas le gros du cheptel. C'est avant tout l'électorat à fort patrimoine. Ces gens-là ont les moyens de se protéger des amis de Bilal. Ces gens-là, ils sont pas nécessairement obligés d'aller prendre leur café à Sevran. Ok ? Donc, ils iront avec Macron, parce que, c'est simple, la génération des vieux rentiers à voter Fillon, c'est leurs enfants qui sont dans les meetings de Macron. Donc, ils iront face à... Pourquoi ? Parce que la France n'a jamais rien été pour ces gens-là. C'est tout. Alors, on peut vouloir... renoncer à la sortie de l'euro ou à autre chose pour aller faire le tapin pour les avoir, oui, si vous voulez. Le seul problème, c'est que pour faire élire le mouvement national en France, il faut une sortie en masse des abstentionnistes de l'abstention. C'est la seule chance. Pour l'instant, il n'y a aucun signe avant-coureur. Aucun signe que les abstentionnistes sortent de l'abstention. Donc, tapez sur Fillon, parce que Fillon a un projet de société insupportable. Mais Macron, et puis surtout la soupe que ça va être, parce que comme Macron n'a pas d'appareil, et qu'il n'a que des ralliements que je vais quand même vous citer, ça va quand même vous mettre le personnage à niveau, Valéry Giscard d'Estaing, Daniel Cohn-Bendit, un spécialiste bien connu des questions de l'enfance, le... Minc, alors là c'est déjà un bon truc ça, parce que Minc c'est la Schkoumoun. C'est la Schkoumoun, c'est... vous marchez dans une rue, il y a un parterre de fleurs qui tombe, c'est pour votre tronche. Dans toute la rue, il n'y en a qu'un seul qui tombe, c'est pour ta gueule. Tu vois, c'est... Minc, c'est ça. Là, c'est la main noire, tu vois. C'est... Tu peux rien, ça s'enlève pas, c'est fini. Kouchner, hein, spécialiste de la viande de Bidochon Gros.
Le Josca Fischer. Pierre Berthus maintenant. Ah ben bah, on était dans l'enfance. Mais c'est bien de le petit jeune qui monte et qui fait la sortie des hospices, qui est soutenu, il manque plus que Frédéric Mitterrand, et on pourra aller faire une marelle. Or les journalistes aussi. Ah oui, il y a la oui et puis il y a le journaliste de Canal+, hein, c'est signé. Tout le monde dit voilà, grosso modo c'est le syndicat de faillite de la civilisation occidentale, quoi. Berger, Haim, Minck, Kouchner, Cohn-Bendit, n'en jette plus, tu vois. C'est le, vous savez, la civilisation occidentale est foutue. Si tu veux, quand tu additionnes cette liste de noms-là, tu vas voir un mec de l'État islamique qui dit tu veux vraiment te battre pour sauver ces gens-là ? En quoi mon projet de société ? Là, tu vois, t'as des doutes, tu vois. Heureusement que tu te rappelles qu'il y a autre chose. Parce que sinon, il n'y aurait que... Tu dis que l'enfileur de chameau, finalement, il a peut-être raison. On sait jamais. Donc, tous les ferments de décadence de notre société sont derrière lui. Alors certains disent oui, mais il pourra se révéler. Lui, il appartient pas à ce système. C'est pire que ça. Il appartient peut-être pas à ce système comme Fillon, c'est vrai. Mais c'est ce système qui lui a permis de devenir riche, odieusement riche. Et il y en a des tas, des petits arrangements sous Macron. Ne serait-ce que le groupe Drahi et SFR. Il y a des tas de choses à savoir. Il prendra pas le risque de défier ces gens-là, parce que des casseroles, pour arriver au point de pognon, il en a. Des casseroles, il doit en avoir des palettes pour soutenir les plafonds. Donc, il le fera pas. Mais pour que le petit soit élu, il faut éliminer Fillon. Et surtout, l'oligarchie transnationale a besoin de l'élimination de Fillon. Pourquoi ? Parce que Fillon est une demi-molle souverainiste. Pas un vrai patriote, Fillon, il l'a jamais été. Mais il n'est pas sûr. Alors que, mettez-vous à la place de ces gens-là. Ils ont perdu l'Angleterre et les États-Unis la même année. Ils régneront en Allemagne, vu que l'Allemagne est un... L'efficacité et le conformisme germanique a vu dans le mondialisme les moyens des rêves de domination mortifère et glauque de la troisième vague du pan-germanisme. Bon, très bien. Mais l'Allemagne toute seule, ça pèse quoi ? Là, ils s'enorgueillissent de naître, j'ai vu le truc, c'est « Nous n'avons jamais été aussi nombreux. » Bon, oui, on fait venir pour entre 1 et 2 millions d'immigrés chaque année. Oui, moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Ça n'empêche pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes plutôt sur la pente descendante. D'ailleurs, personne ne vous pleurera. Or, le grand... Sauf l'identitaire français qui fait les chiottes. C'est bon, quand on voit que le mouvement national français a beaucoup plus pleuré la fille d'un oligarque germanique qui a été violée par un migrant, ce qui est horrible, mais parce qu'elle travaillait comme humanitaire, ce qui est horrible, mais qui, quand tu fais venir des populations incontrôlables, malheureusement, c'est ce qui arrive. Je dis juste une chose, si la gamine avait été française et guadeloupéenne, quand National aurait pleuré autant, j'en suis pas sûr. Oui. C'est ça le problème de la France, c'est qu'en France, des vrais nationalistes, il y en a peu. Or, Macron joue vraiment, en plus, il joue le laquais de la Reich chancelière, etc. Fillon, ils sont pas sûrs. Il a pas dit trop de mal sur Trump. Il a des rapports cordiaux avec Poutine. Dans son troisième cercle, pas plus, malheureusement, il y a quand même Mariani. Alors Mariani, c'est un homme, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais moi, j'ai encore des articles de lui sur la souveraineté de la France qui datent de 2000. Donc, c'est un mec qui, au moins, n'a pas changé de discours depuis 20 ans. Il a été un peu lâché. Oui, il a été lâché. Il a été lâché parce que Fillon est une demi-molle. Le problème d'une demi-molle, c'est qu'il peut avoir des excès de virilité qui ne durent pas. Mais il n'est pas totalement sous contrôle. Macron, l'avantage, c'est que c'est bordé. Seul plafond de moquette. Enfin,
terminé. Or, le... D'où le pilonnage qui est en train d'avoir lieu. Or, nous sommes dans les écuries d'Augias. La République entière est en train de crever. Pourquoi ? Parce que le grand historien spécialisé des relations internationales, Per Andersson, le disait très bien, l'élite française s'est rechoisie un maître et là elle retourne le pays avec son Trump vers les Boches. Quand vous n'avez pas de souveraineté, comme le pouvoir ne peut plus servir, le pouvoir sert à se servir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bon. Comme vous ne pouvez plus, eh ben, vous voulez faire. Donc, ce pourrissement, Fillon n'en est qu'un exemple, cette affaire n'en est qu'un exemple. Mais bon, je crois que l'Assemblée a salarié près d'une cinquantaine d'épouses l'année dernière. Bon, ok. À un moment, il faut une opération main propre. C'est certain. La seule chose, c'est que pour l'instant, comme nous ne sommes pas décisionnaires, c'est d'éliminer l'ennemi, le... Parce qu'il y a deux options. Soit on pense que Macron, c'est le mieux pour un haut score du camp national, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est le jeu du pire vis-à-vis du pays. Soit on ne tape pas trop sur Fillon et on attend celui des deux qui sortira face à nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre encore quelques jours, mais là, il faut commencer à mitrailler Macron. Parce que c'est quand même lui le plus dangereux, il faut qu'il revienne, parce que c'est une bulle médiatique, il faut qu'il revienne à sa véritable place. En tout cas, alors c'est vrai, Fillon, ça ne sera pas... Fillon n'est pas un ami de la France. Il faut faire en sorte que les partis nationaux fassent le plus haut score possible, voire l'emportent. Nous en sommes tout de même loin. Je fais pas de défaitisme révolutionnaire, je fais un constat. Donc il faut au moins préserver le pays. L'avantage de Macron, c'est qu'au moins on sait que, et même avec tout le dégoût que Fillon, qui va aller cirer les bottes de la reine chancelière, en m'inspire, pour l'instant c'est lui le moins pire, pour l'instant. Enfin, le moins pire. Apte à faire le podium. Ensuite, si un camp national était élu, j'en serais fou de joie. La seule chose, c'est qu'après, il y a assumer le pouvoir. Et ça, est-ce qu'on y est prêt ? Est-ce qu'on s'est posé les questions ? Très difficile à dire. Alors, on pose également une question par rapport au vote musulman en 2017. Le vote musulman, alors déjà, bon, là, l'avantage, c'est qu'on a le... C'est que... Alors, Bilal, il n'y a pas beaucoup mieux comme serreur de babouche. Là, attends, ça va être le... Attends, ça va être le grand chelem du Talamantre. Et la... puis surtout, Hamon... En plus, bon, vous allez avoir une déclaration pro-palestinien parce que ça mange pas de pain, le... etc., etc. Ensuite, vous avez un mythe qui dit parce que le... Sur les questions sociétales, une partie de l'électorat musulman pourrait se rapprocher du camp national. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers. Il faut, nous, proposer un projet de société. S'ils sont français, ils y adhèrent. S'ils ne se considèrent pas comme français, ils n'y adhèrent pas. Point barre. Par contre, ceux qui veulent y adhérer, il faut y laisser y adhérer. Il ne faut pas, à un moment... Faut pas tomber dans l'hystérie identitaire qui n'est rien de plus que, comme toute vague d'hystérie, qui n'est rien de plus qu'une espèce de bouffée de chaleur délirante par des gens qui, dès que vous leur demandez c'est quoi l'identité de la France, s'effondrent. Parce que même leur identité individuelle ne la maîtrise pas, alors l'identité collective ne leur en demandait pas trop. Mais je pense que de dire qu'est-ce que veut l'électorat musulman, déjà l'électorat musulman, ça n'existe pas. Ensuite, l'électorat immigré communautaire, ça existe. Cet électorat-là, il votera avant tout pour le Parti Socialiste ou pour Macron, parce que là, ils auront plus, surtout pour le Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce que
il va aller dans, vous aurez plus de mosquées, etc. C'est-à-dire vous aurez des avantages matériels. Si on veut les meilleurs, si on veut que les meilleurs sortent, ceux qui sont réellement assimilés, pour voir d'ailleurs s'il y en a, il faut nous proposer un projet de société et après, ils viennent s'y inscrire. Par contre, s'ils viennent s'y inscrire, il faut, faut les accueillir totalement. Voilà. Mais pas... je pense que sinon, de dire « Oui, mais ils aiment pas, ils aiment pas la GPA. » Oui, oui. Ouais. Le problème, c'est que la GPA, c'est le mondialisme bruxellois qui va nous l'imposer. Donc, pour liquider la GPA, faut liquider le mondialisme bruxellois. Donc, faut redevenir pleinement souverain. Donc, faut remettre des frontières. Donc, faut pouvoir s'occuper du problème migratoire. Et là, d'un seul coup, ils vont te lâcher. Parce que le problème migratoire, pour toi, c'est un problème. Pour eux, c'est leur cousin. T'as compris le problème ? Bon. Donc, c'est de la logique élémentaire. Par contre, je pense en plus, vu la mentalité de certaines de ces populations, que plus on sera dans la fermeté du moment qu'on est dans la justice, mieux ce sera. Et n'oublions jamais une chose, parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais te rends pas compte, les Français font plus du tout d'enfants, il y a qu'eux qui font des enfants, on va être remplacés, machin... » Bon, c'est vrai que quand on est homosexuel, châtelain, et obsédé de l'imparfait du subjonctif, on est vite remplacé. Mais Mais bon, je tiens d'ailleurs quand même à soutenir Nicolas Dupont-Aignan, qu'on a lynché, il a étalé des faits sur le dossier migratoire, et qu'on a dit vous parlez comme Renaud Camus. Pour connaître un petit peu Nicolas Dupont-Aignan depuis quelques années, pour connaître en tout cas relativement bien, vu que j'ai été encarté pendant très longtemps, debout la République d'abord, debout la France ensuite, on est très loin du discours de Renaud Camus, qui déjà est un eurocrate. Pro-Europe à mort, parce qu'il a une compréhension des dossiers qui est quand même plus que parcellaire, et qui avant tout veut bien d'un vote populiste avec les pauvres, mais pas de trop près, parce qu'il est capable de deux ou trois réflexions macroniennes, tu vois, du genre entre les ouvrières sous-diplômées et les alcooliques du Nord, tu vois, et comme dirait l'autre. Comme disait Jules Renard, le peuple, oui, du moment que je vois pas sa sale gueule. Tu vois, ça va. Pas d'hystérie identitaire là-dessus. Il y a un problème démographique sur l'ensemble de la métropole. Au passage, c'est l'ensemble de la métropole qui est touchée. Or, les dom-toms ne sont pas touchés. Ça veut dire quoi ? La subversion démographique, elle vient pas des dom-toms, je l'ai preuve du contraire. Elle est de métropole. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de dérapage non plus de la démographie immigrée. Pourquoi ? Parce que beaucoup des populations immigrées en France, particulièrement maghrébins, tunisiens, marocains particulièrement, sont des populations qui étaient déjà en cours très avancées de transition démographique. Il suffit de regarder leur propre famille. Généralement, ils ont leur grand-père avait 8 enfants, eux ils en ont 1, 2. C'est-à-dire qu'ils ont francisé leur taux de démographie. Après, il y a un problème d'Afrique subsaharienne qui, c'est vrai, est préoccupant. Ensuite, pour faire une vraie politique familiale et surtout pour faire une politique de préférence nationale, faut quoi ? La souveraineté, on y revient toujours, parce que sinon, t'as pas le droit. Bon. Donc, pas d'hystérie sur ces sujets-là. Parce que l'hystérie est amplifiée par le manque de souveraineté. Donc si vous voulez avoir une identité en acte, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Parce que là, vous ne pouvez rien faire. Donc là, pour l'instant, c'est votre indécision et votre impolitisme qui est en train de vous tuer. Donc, moi, quand je lis des choses qui sont des... Je comprends que les gens aient peur quand ils me disent qu'il n'y aura même pas de guerre civile parce que les Français sont trop amorphes. Premièrement, il n'y a pas de guerre civile, ce serait déjà pas plus mal qu'il n'y ait pas de guerre civile. Deuxièmement, les Français sont amorphes. Je rappelle que les Français sont le peuple d'Europe de l'Ouest qui se défend plus contre son système en tentant de renverser la table à chaque consultation électorale depuis près de 25 ans. Alors, c'est peut-être un peuple trop légaliste, mais on ne va pas me dire que c'est un peuple qui se bat pas.
Ou alors regardez autour de vous. Je rappelle quand même que si vous voyez la jeunesse française, dont le premier parti est, avec tous ses défauts, le Front National, la jeunesse allemande, c'est elle qui est le bras armé de la Reich chancelière sur l'accueil des migrants et sur les milliers d'enfants grecs qui sont en train de crever par la demande du peuple allemand. Hein, parce que bon, faut quand même mettre un point, les points un sur les i, les barotés. Hein. Donc, les Français se battent à leur manière. Ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne pourra pas... C'est que la déstabilisation est le fruit de la faiblesse. Et la faiblesse, la fille de l'absence de souveraineté. Point. Les États forts évitent les guerres civiles. Les États faibles, parce qu'ils n'arrivent pas à arbitrer entre groupes sociaux, les subissent. Donc la première urgence, c'est la restauration de l'État, quoi qu'on en pense. On vous demande également un mot sur le retrait de Noël Le Maire de la vie politique. Alors, même deux, bon débarras. Mais vous connaissez ces vers, je crois, c'était Laurent Gérard qui avait déclamé ce poème, Noël ma mère, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc c'est bien, il se casse. Il va faire quoi? Vous savez? Moi j'ai entendu un truc ignoble, j'ai entendu qu'il allait refaire du journalisme. Enfin, vu l'état du journalisme français, il peut y aller, hein. Il peut y aller, hein. Il a été présentateur télé, hein. Ouais. Une fois, il avait dit un truc intelligent. Enfin, il n'avait pas dit un truc intelligent, il avait ri à un sketch de Pierre Desproges. Je l'avais trouvé sympathique, ce genre-là. C'est la seule fois où je l'ai trouvé sympathique, d'ailleurs, ce con. Mais bon, non, il se retire de la vie politique, c'est bien, ça en fait toujours un en moins. Hein, dans une vie politique qui, aujourd'hui, est empuantie de trop de présence, une en moins, bon. Certes, ça fait pas le grand bol d'air frais dont nous avons besoin, mais bon, les poubelles se vident une par une. Pour revenir à la chanson aussi. Parce qu'il avait chanté. Ah oui, il avait fait de la chanson. Ah oui, c'est. Je me rappelle plus, je crois que c'était un hymne à la suppression de la musique, quelle qu'elle soit. Ah ouais, mais ça c'est pas mal, en plus, à passer dans les atmosphères carcérales, les trucs comme ça, tu vois, pour faire chuter le taux de récidive. Parce que la tôle en France, un hôtel 4 étoiles, avec du Noël ma mère pendant 8 heures par jour à tue-tête, ça devient tout de suite moins bandant. Les enfants de par là ont la mémoire des rues, ce cœur au bout des doigts, les souvenirs à nu. Ils ont pour oublier la force d'un printemps qu'ils se sont inventés sur fond de mauvais temps. Pour un anneau perdu, le monde est mal foutu, vient de sang, vient du cœur. On passait aussi au dossier Tromelin, parce que du coup on avait beaucoup parlé de cette petite île dont la souveraineté était remise en cause. Le projet était retiré Il a été retiré de l'agenda parlementaire. Exactement, l'agenda parlementaire. Donc on voulait avoir votre avis sur Tromelin. Là, pour le coup, il y a eu une bonne mobilisation qui a quand même payé, parce qu'en réalité, le PS comptait partager notre souveraineté. Alors il faut savoir une chose, une souveraineté partagée, c'est une souveraineté qui disparaît. La souveraineté, c'est pas le sein d'une mère aimante. Hein. Ça se partage pas entre les enfants. Hein. Souveraineté partagée, quel pays a employé le terme de souveraineté partagée avec ses satellites? L'Union soviétique, tout à fait. Allez demander aux Polonais, aux Tchèques, aux Hongrois, ce qu'ils en pensaient de la souveraineté limitée. Ça tombe bien, c'est là où vous vivez. Hein. C'est là où vous vivez. Mis à part que, au moins l'URSS, même en tombant, elle avait de la gueule. Alors que nous, c'est la gueule à Juncker. C'est-à-dire qu'on aura la décadence plus le déshonneur. C'est quand même pas mal. Or, en réalité, c'est la pression qui a réussi à ce que le PS retire. Ensuite, c'était pas le PS en soi qui voulait brader. Je rappelle que le premier rapport d'assemblée a été fait par M. Hervé Guémard.
le mari de Clara Lejeune Guémard, donc Lejeune du nom de son père, le professeur Jérôme Lejeune, argentier des milieux anti-avortement, voilà, la bonne droite versaillaise, catholique et français toujours. Et c'est elle qui a vendu Alstom. Donc si les turbines atomiques des bâtiments de guerre français sont dans la main des Américains, c'est à ces gens-là qu'on peut, on peut les en remercier. Donc Monsieur Guémard, hein, qui était hein, la fameuse unité de mesure, hein, le loyer Guémard à une certaine époque, hein, c'est-à-dire, je crois qu'il avait hein, un 8 pièces pour moins de 2000 euros en plein Paris, enfin un truc comme ça, ce qu'on appelait un loyer Guémard. Hein. Combien tu gagnes en loyer Guémard ? Or, c'est ce brave homme qui voulait qu'on partage avec l'île Maurice. Et en réalité, l'île Maurice, tout simplement, l'île Maurice n'avait peu de prétentions. Alors certes, depuis son indépendance, elle fait de la mousse en disant qu'elle va récupérer trop mal. Le problème, c'est qu'un, elle ne peut rien en faire. La seule chose d'ailleurs qu'elle a fait de notre inaction, c'est de vendre des pavillons de pêche de complaisance. Beaucoup, je crois un peu plus d'une dizaine de milliers. Mais mis à part ça, vous me direz, oui, mais bon, c'est un caillou. C'est pas le caillou qui compte, c'est la mer qui est autour. C'est ça qui compte. La France, en réalité, sortez-vous la tête de l'Hexagone. La France est 8 fois plus grande que vous n'imaginez. Alors certes, c'est de l'eau. Mais l'eau, c'est pas uniquement la vie, c'est aussi la richesse. C'est l'énergie, c'est la nourriture. C'est les dérivés de la nourriture. Pharmacopée, cosmétiques, etc. C'est la stratégie, c'est les comptoirs, c'est la surveillance des routes commerciales, etc., etc., etc. Nous, on rappelle le numéro de Perspective Libre, la France et la mer, hein, parce que bon, on a travaillé là-dessus, et on a fait un numéro doctrinalement charpenté là-dessus. Notre avenir passe par là. Je pense que c'est la pression populaire qui a fait, je pense que la prochaine administration tentera de refaire ce que le PS a tenté de faire pour Tremolin. Mais c'est une petite victoire, il faut le souligner. Après, il serait tout à fait normal que les gens qui sont dans cette forfaiture, parce que c'est une forfaiture au sens propre du terme, c'est un terme fort, forfaiture, c'est un terme dur. C'est de la trahison. Et les États civilisés, si on prend l'Amérique comme l'acmé de la civilisation occidentale, je crois que pour la haute trahison, les États-Unis pratiquent la peine de mort par pendaison, c'est un délit fédéral. J'appelle à rien, hein, je fais un constat. Je dis juste que personne n'a à supporter la trahison. Et que la démocratie, si elle se confond avec la faiblesse, alors la démocratie périra au XXIe siècle. Très clairement. Vous posez également une question, alors faudrait-il envisager un destin non renouvelable pour le chef de l'État ainsi que les députés ? Alors je pense qu'il faut un mandat unique, après on va pas s'engueuler sur les... Mais un mandat unique où il y ait du temps. Parce que bon, 5 ans c'est trop court. Beaucoup trop court. Et par contre un mandat unique parlementaire, ça c'est certain. Mandat unique parlementaire, vous faites un mandat de député, un mandat de sénateur et après basta, vous allez passer. De toute façon les assemblées reposent sur 30 mecs. Hein. Il y a 30 mecs qui bossent. Alors là, aujourd'hui, c'est qui ? C'est Duic. Philippe Folliot, celui qui a fait sur la mer, celui qui a défendu Tremolin. Un homme qui mérite qu'on l'honore. Duic, c'est Folliot, c'est Marie-Françoise Bechtel, c'est. Voilà, une trentaine de députés qui bossent, quoi. Un peu de choses près. Bon. Mais par contre. Je pense qu'il faut réduire le nombre de parlementaires, mais augmenter les enveloppes d'aide, qu'elles soient contrôlées, pour éviter de faire chier les Pénélopes, et pour que chaque député ait un vrai cabinet, qu'il n'ait pas un assistant parlementaire local, un assistant parlementaire à Paris, les commissions ne sont pas suivies, le boulot n'est pas fait, un représentant américain, tout le monde dit « Ah oui, vous avez vu l'Amérique, eux, ils ont peu de représentants, eux, ils bossent ».
Je rappelle qu'un cabinet d'un représentant américain, c'est une dizaine de personnes. Hein ? Quand même, arrêtez de déconner un beau matin. Il y a une partie de... En réalité, sur la partie utile, nos assemblées sont en sous-effectif. Et sur les parties inutiles, en sur-effectif. C'est le problème. On pose également une question par rapport à Jean-Pierre Chevènement. Et donc, avec le recul, est-ce que la France n'a pas manqué une occasion, avec le refus donc, de Jean-Pierre Chevènement, de se présenter en 2007 et en 2012 au profit du soutien... Il n'aurait pas pu être suivi. Il n'aurait pas pu être suivi, il n'aurait pas été suivi. Le Che, c'est... C'est marrant, moi j'ai toujours bien aimé l'appeler le Che. C'est un intellectuel en politique. Il a la stature, toute personne qu'il a, il a le sens de l'histoire, etc. Je pense que les Français commencent à peine à souffrir suffisamment pour se rendre compte qu'ils ont besoin d'un homme comme ça. Il n'y aurait pas eu de concordance des temps. Et on repose enfin une dernière question par rapport à l'union des petits candidats à l'approche des présidentielles. Alors les petits candidats, c'est qui ? On parle de Asselineau, Tauzin. Asselineau, Tauzin, Nikonov. Ça aurait de la gueule, mais ils peuvent s'en... Enfin, je vois... Disons que quand on a des formations, et ce soit dit sans aucun manque de respect, mais relativement petites par rapport aux gros appareils, on peut se permettre d'être très dur sur la ligne. Le problème, c'est que quand on est dur sur la ligne, on est intransigeant vis-à-vis des autres. Ça n'aide pas au rassemblement. Moi, je vois pas ça se faire. Vraiment pas. Et je pense que ce serait inutile, je vais vous dire pourquoi. Charles Pasqua disait, qui était quand même un homme qui a l'habitude des campagnes électorales, les affiches, ça fait 0,5%. Les groupes qui viennent à toi, ça fait 0,5%. Donc si l'engueulade ne vaut pas 0,5%, ça sert à rien de le faire. Ça, c'est vrai. Ça. C'est... Je suis pas sûr en plus que ce soit très, très productif vu que il y a des lignes qui vont pas ensemble. Par exemple, j'aime beaucoup le général Tauzin, je me porte une très grande affection et une très grande admiration à titre de militaire. Beaucoup d'ailleurs des documents internet de lui ont été faits au Cercle Aristote ou pour ce qui a été tourné l'école de guerre économique, c'est moi qui l'ai tourné. La seule chose, c'est que je pense que sur l'Europe, il y a des choses qu'il ne voit pas. Il y a des choses qu'il ne voit pas. Sur la souveraineté, il y a des choses qu'il ne voit pas. Et ça va poser problème.